Cédric Babouche fait de la bande dessinée, du dessin animé, de l'animation. Mais l'univers virtuel et le monde moderne ne l'ont jamais fait lâcher ses pinceaux d'aquarelle. C'est un médium que j'adore parce que il me permet de travailler de manière très spontanée et en même temps, si j'ai envie d'être extrêmement précis, c'est un médium de la lumière, c'est un médium de la sensation. Et je pouvais pas faire autrement que choisir l'aquarelle, c'était obligé. Ainsi donc est née Dordogne, par des esquisses, des peintures, des décors à plat. Pour compter plus tard, après 4 ans de gestation et de fabrication, la quête d'une jeune femme à la recherche de souvenirs d'un été passé chez sa grand-mère. Le dernier, elle ne sait pas pourquoi. Promis, à tout à l'heure. Coucou. À Bordeaux, dans les locaux d'Humanimation, l'équipe de développement peaufine, revoit, corrige, à l'approche de la sortie publique. Sur cet écran, le marché de Sarlat, en train de passer du dessin à la 3D. On projette l'illustration comme avec un projecteur de diapositive sur un décor qui a été créé en 3D. On demande ensuite à cette illustration de rester collée sur ce décor en 3D et ça nous permet du coup de créer de la profondeur dans quelque chose qui n'en a pas au départ. Un travail de fourmi, lent, minutieux, mais pas de lassitude ici, car ce qui sortira sera une pièce unique dans un secteur concurrentiel. Il y a un peu de stress, un peu de magie, un peu d'appréhension, on a envie que ça sorte, on fait tout pour. C'est un peu l'aboutissement de pas mal de mois et là maintenant d'années de travail. Les premiers retours sont bons, les présentations à l'international ont commencé. En interne, pas de déception, manette en main ou en spectateur. Dordogne coule dans des décors somptueux, que souhaiter de plus ? Que le monde entier ait envie d'y jouer, ça c'est évidemment, je nous espère, la plus belle réussite du monde. Mais après, sur le ton de la blague, le département nous dit ne marchez pas trop bien non plus parce qu'on ne veut pas avoir trop de monde en Dordogne. Mais en fait, si, j'espère. Moi, je nous espère ça. J'espère qu'il y aura plein de gens qui auront envie de venir en Dordogne parce qu'ils auront joué au jeu, en fait. Nous ne vous dirons rien des énigmes, ce serait gâcher la quête. Dordogne sera disponible le 13 juin sur PC et console.